con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Elle lui ressemble trait pour trait. C'est entièrement de la faute de cette femme. Allons, allons, madame. De quelle femme vous me parlez? Entièrement de ma faute? Je suis coupable de quoi? De cette guerre avec les Aragones de la Rosa? Maman, calme-toi. J'y comprends Camilla, rien, va-t'en, oui, s'il te plaît. Qu'elle s'en aille, s'il te plaît. Qu'elle s'en aille. Excusez-moi, mais je vous ai confondu avec une personne. Non. Vous faites erreur, madame. Vous venez de me dire que je suis le portrait craché de la femme à l'origine de cette guerre. Alors à présent, dites-moi qui est cette femme, parce que de toute évidence, c'est pas moi. Calme-toi, n'en rajoute pas. Regarde dans quel état est ma mère. Oui, vous avez peut-être connu ma mère. Elle a eu une fille. Son prénom n'était pas Isabelle par hasard, hein? Son nom était Blanco, madame. S'il vous plaît, dites-le moi, j'ai besoin de savoir. Camilla, s'il te plaît, ça suffit. Regarde, ma mère ne va pas bien du tout. Tu veux quoi? Qu'elle meure d'une crise d'angoisse? Alors, s'il te plaît, arrête. Doris, amène-la dans sa chambre et donne-lui un calmant pour la tranquilliser. Oui, bien sûr. Merci. Allons-y. Max, excuse-moi, Max. Je voulais vraiment pas que ta mère se mette dans cet état, mais en maintenant, fait, j'ai besoin. Tu vas m'expliquer qui est Blanco et qu'est-ce qu'elle a à voir avec toi. Réponds-moi, Sébastien. Pourquoi t'es habillé comme ça? Tu vas quand même pas me dire que c'est la mode là-bas, en Espagne. Tu as vraiment l'air d'un curé. Papa, laisse-moi t'expliquer. Ton père a bien compris que tu t'es habillé comme ça pour nous faire une blague. Mon cœur, mais tu es devenu un beau jeune homme. Tu es si beau. Montre-moi ton diplôme d'avocat pour lequel j'ai financé tes études toutes ces années. Je veux le voir. Je veux le mettre ici, au milieu du salon, et dire à tout le monde que mon fils est diplômé en droit international. Papa, écoute-moi. En fait, ça, c'est... T'inquiète pas, fiston. Tu vas avoir tout le temps de nous raconter comment ça s'est passé pour toi là-bas. Mais pour l'instant, on va fêter ça parce que tous mes enfants sont ici avec moi. Hey, qui va là? Sébastien, mon frangin. T'es enfin de retour. Ça va? Tout va bien? Tu m'as manqué. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Là, voilà. Mon frère adoré, t'es de retour. Julia, ça va? Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Comment ça va? Tout va bien, et vous? Bien. Alors, la guerre entre les Aragones de la Rosa et les López Méndez, ça a commencé à cause d'une femme. Mais dis-moi, qui était cette femme, Roger? Merci. C'était ta mère? C'était la maîtresse de mon père. Ton oncle Augusto a trompé ma mère avec cette femme. Mais comment tu sais ça, toi? Ma mère me l'a dit. Tante Amélia, elle a été une victime de plus de toute cette guerre. Mmh. Et c'est pour ça que mon oncle Fausto t'a donné son prénom, pour l'honorer. Oui, je suis au courant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon père s'obstine à poursuivre cette guerre. Ça ne lui suffit pas après tant de douleurs? Mais à présent, tu comprends pourquoi je déteste autant cette famille. Parce qu'à cause d'eux, je me suis retrouvé orphelin. Mais Roger, dis-moi la vérité. Tu sais qui est cette femme? Ou tu cherches à me le cacher? Excuse-moi, Max, vraiment, excuse-moi. Je fais toujours tout de travers. Mais ce que ta mère m'a dit est resté gravé ici, dans ma tête. Qui est cette femme qui s'appelle Blanco et dont tu as parlé à ma mère, Camilla? Max, je crois que ta mère sait des choses au sujet de ma mère. Il faut que je lui parle. Allez, s'il non. te plaît, je t'en non, prie. Non, Camilla, non. Même pas en rêve. Tu as vu comment elle a réagi? Je comprends pas. Qu'est-ce que ma mère pourrait savoir au sujet de la tienne?
Il n'y a aucun lien entre elles. Je crois que tu fais fausse route, Camilla. Bon sang, c'est pas possible. Camilla ? Quelle surprise ! Je vous dérange ? Non, pas du tout. Ici, celle qui dérange, c'est moi. Du coup, je vais mettre en pratique la règle numéro 11. Ne pas déranger. Excusez-moi, hein ? Et pardon pour le mal occasionné. Tu prends très à cœur le projet de parrainage de cette jeune fille, hein ? C'est une longue histoire. Tu pourrais me la raconter autour d'un verre de vin ? Quel dommage que tu arrives dans un tel contexte, Sébastien. Mais Xavier s'est fait agresser. Comment ? Non, non. Mais il va bien ? Eh bien, c'est un coup d'Eragon. Il voulait le tuer. Mais pourquoi tu n'as pas mis un terme à cette maudite histoire, papa ? Et à présent, elle est plus vive que jamais. Ces vauriens ont voulu tuer un de mes fils. Et ils vont me le payer. Je vois que c'est toujours pareil ici. Pourquoi tu ne montes pas te reposer un peu ? Tu dois être fatigué. Non, non, Octavia, je préfère aller voir Xavier. Ça va remonter le moral de ton frère. Tu as ma permission. Si tu veux, allons-y. Je dois m'y rendre. Allons-y. Mon père, lui, connaît toute l'histoire. Il a bel et bien connu cette femme, la maîtresse de mon oncle Augusto. Je t'ai déjà dit tout ce que je sais, Amelia. Mon père ne me dira rien, mais je suis sûre que ma mère le fera. Je suis content de voir que tu t'intéresses à ta famille. De quoi tu veux parler ? Pendant un instant, j'ai pensé que tu ne ressentais aucune douleur face au mal et à la souffrance que nous ont infligé les Lopez Mendez. Mais je vois que si. Et je m'en réjouis. Je te connais, cousine. Je te connais. Et je suis content que tu comprennes qu'on ne peut ressentir aucun type de miséricorde pour aucune des personnes appartenant à cette famille. Et encore moins de l'amour. Allez, à plus tard. Je veux savoir qui est cette femme à l'origine de toute cette guerre. Et si elle est vivante, elle est la seule à pouvoir m'aider à mettre un terme à cette haine. Ah, oh, t'en as mis du temps. Ah, Yeli, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé dans cette maison. Je suis effrayée. Regarde, je suis si nerveuse que mes mains en tremblent. Qu'est-ce que t'as encore fait, Camilla ? Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire, Yeli ? Je suis juste allée présenter mes excuses à la mère de Max et elle a pris peur en me voyant. T'as bien dû faire quelque chose à cette dame. Personne ne prend peur parce qu'on vient lui présenter des excuses. Je suis en train de te dire que j'ai rien fait. Ce qui me rend folle, c'est que cette dame a cru que j'étais une autre personne. Elle m'a confondue avec la coupable de cette guerre que se livrent les Aragon de la Rosa et les Lopez Mendez. Comment ? Mais pourquoi elle t'a dit ça ? Je sais pas. Mais je crois que cette dame m'a confondue avec ma mère. Bien sûr, Yeli. Elle m'a dit que cette femme et moi, on se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Tu peux imaginer que cette dame puisse connaître ma mère ? Je venais pour voir comment allait ta mère. Mais après ce que Camilla lui a fait, il est évident qu'il faut la laisser se reposer. Mais quel manque de considération et de respect, Max, la visite de cette gamine. Il faut que tu la contrôles, parce que sinon, elle va dépasser les bornes. Non, dis-moi, Xavier, ton frère, comment il va ? Il va un peu mieux. Oh. Il est heureusement arrivé à temps à l'hôpital et bon... Les médecins l'ont immédiatement pris en charge. Ah, oh, Dieu merci. Oui. Max, est-ce que tu crois vraiment que ce sont les Aragon ? Tu crois vraiment que ce sont eux ? Voyons, ça crève les yeux que les deux entreprises se disputent âprement le marché des cosmétiques. Mais de là à vouloir s'entretuer, ça va trop loin. Le truc, c'est que cette querelle entre nos deux entreprises date de bien avant qu'elle n'ait été concurrente. Cette guerre a commencé dans nos familles et se poursuit maintenant dans les entreprises. Et pourquoi se sont-ils disputés ? Sincèrement, je ne sais pas. Mon père ne m'en a jamais parlé. Et il s'agit juste d'une histoire de guerre, de haine et de mort entre les deux familles. Eh bien, si c'est le cas, alors ta mère doit être au courant de ce qui s'est passé, non ? Je préfère ne pas perturber ma mère avec ce genre de choses. Le peu de fois où je l'ai fait, elle a eu une crise d'angoisse. Comme aujourd'hui, par exemple. J'admire tellement ta maman. Parce qu'elle a élevé et éduqué un fils merveilleux. Un vrai gentleman. Je lève mon verre. Pour elle. Et pour toi.
Camilla. Le fait que cette dame t'ait confondu avec quelqu'un ne signifie pas que cette personne soit ta mère. Mais avec qui elle aurait pu me confondre? Je sais que je suis très commune, mais pas à ce point-là, Yili. Cette femme sait quelque chose. Elle était convaincue que j'étais une autre femme. Je ressemble à ce point à ma mère? Non, 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 non. Attends. Attends. Est-ce que tu t'entends parler, Camilla? Elle t'a donné un prénom, un nom. Elle t'a dit quelque chose à ton sujet en particulier? Non. Eh ben alors, Camilla, alors? Écoute, je ne veux pas te démoraliser, mais rends-toi compte que tu es tellement désespérée de retrouver ta mère que tu vois des pistes partout et surtout là où il n'y en a pas. C'est pas possible, Camilla. Quel dommage pour cette dame et pour Max. Il me faut un nom. C'est tout ce dont j'ai besoin, Yeli. Un nom! Mon Dieu, aide-moi à trouver un nom, s'il te plaît. Aide-moi et je me chargerai de tout, tout le reste, s'il te plaît. Rosa Blanco. Tu es la responsable de cette guerre et des malheurs entre nos deux familles. À cause de toi, mon frère est mort, sale garce. Et j'espère que tu es bel et bien morte, vraiment. Pour ton bien, je l'espère. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui, maman. Ça fait plaisir. Tu te sens bien? Pourquoi devrais-je me sentir mal? Max, cette jeune fille qui est venue hier soir, où est-ce que tu l'as connue? Camilla? C'est une histoire de fou. Tu te souviens de l'autre jour, je t'ai dit que j'avais rencontré une jeune fille qui m'avait cassé le nez et qui est parvenue à me séduire en moins de 24 heures. Il s'agit de Camilla. Après ça, eh bien, j'ai voulu l'aider et je lui ai proposé un poste à Mascarada. Alors, cette jeune fille sait y faire, non? T'imagines pas à quel point, maman. Voilà pourquoi, quand tu as dit tout ça hier soir, qu'elle ressemblait à une jeune femme que tu connaissais, c'est vrai ça? Oui. Oui, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je me demande simplement pourquoi Dieu a permis que tu fasses la connaissance de cette jeune fille. Comment ça, maman? Pourquoi Dieu a permis qu'on se connaisse? Pourquoi c'est si bizarre que ça? Mais c'est le hasard, voilà tout. Pour Dieu, le hasard n'existe pas. Si tu as fait la connaissance de cette fille, il y a une raison à ça. Monsieur, vous m'avez fait peur! Écoutez, je suis concentrée sur ça parce que vous ne me croirez pas, mais apprendre les noms de tous ces produits, c'est pas du tout facile. Vous m'avez parlé de masques, et je me suis mise à chercher des masques de carnaval, mais il s'avère qu'il s'agit de masques à l'argile. J'avais bien dit que c'était du gâchis de te laisser travailler dans ce hangar derrière ces cartons. Tu n'aimerais pas être secrétaire ou assistante? Je veux dire pour qu'on puisse te voir. Et pourquoi vous voulez qu'on me voie davantage? Bon sang, vous faites vraiment fausse route. Et le premier qui essaye de me draguer, je le traîne par les cheveux. En plus, je sais même pas taper à l'ordinateur, ni parler l'anglais, ni chinois. Pour faire court, je parle le français. Alors merci, mais je suis très bien ici. Mais tu vas devoir accepter un autre de mes cadeaux pour toi. Et je ne veux pas que tu me répondes non. Qu'en dis-tu? Si je te paye un cours pour que tu puisses suivre une formation de secrétaire de direction. Vous parlez sérieusement? Ma jolie, tout ce que je dis est plus sérieux qu'une messe dite un dimanche. Toi ici dans mon entreprise, tu vas pouvoir étudier, te former. Tu ne vas pas passer ton temps à porter et déballer des cartons, non mademoiselle? J'accepte avec plaisir, monsieur Lopez Mendez. J'ai toujours voulu étudier. C'est génial, vous êtes un super patron. Tapez-moi, c'est un calé. La façon dont vous les avez maquillés ne me convient pas du tout. Approche. Toutes les femmes ont peur d'être mal maquillées. Et si nous montrons ces maquillages si complexes, nous donnons l'impression que seul un professionnel est capable de bien nous maquiller.
Moi, je veux que nos clientes aient la sensation que se maquiller avec nos produits est facile, simple, et qu'elles peuvent le faire elles-mêmes, comme si elles s'étaient rendues dans un salon de beauté. Allô, je suis en réunion. Si tu es occupée, je te rappelle plus tard. Non. Non, 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 ne t'inquiète pas. Change ce que je t'ai demandé et ensuite on verra ce que ça donne sur elle. Dépêchez-vous, allez les filles, s'il vous plaît. Vous êtes toutes si belles. Allez, allez, allez. Allez, on accélère. Oh. C'est bon, je suis toute à toi. Je veux te voir. Tu as le temps aujourd'hui? Ah, Sébastien, tu ne sais pas à quel point j'ai envie de te voir. Et surtout en tête à tête. Ça te dit qu'on se retrouve vers notre petit endroit préféré? Il faut que tu vois le travail de ce photographe, Max. C'est absolument merveilleux. Aucun chichi, il suit une idée moderne, générale, claire, simple, tout à fait en ligne avec le style de Mascarada. Au fait, j'ai adoré notre petite soirée d'hier soir. J'espère qu'on remettra ça. C'est très bien, Astrid. Vraiment, je te félicite. N'est-ce pas, hein? Ce sont les visages de femmes de différentes origines, maquillées de façon fantaisiste. Une campagne indirecte pour les produits Mascarada. Maquillage, vanité, glamour, l'exclusivité, exactement ce qui plaît aux gens. Tout ceci me semble parfait, Astrid. Vraiment, tu t'occupes à merveille de la fondation. Continue comme ça. Ah. Il se prend pour qui, cet imbécile ? Il est sérieux, il croit pouvoir me laisser planter là sans même m'écouter. Non, mais je rêve. De toute façon, tu seras bientôt à moi, Max. Ce jour venu, je te laisserai sans un sou en poche. Et sans argent, tu ne seras plus aussi attirant. Ah, je suis contente, je peux enfin te voir. J'étais sur le point d'entrer de force pour te voir en soins intensifs. Attention, doucement. Ah, pardon, je t'ai fait mal. Je me sens plutôt bien. Et heureux, parce que notre frère a daigné revenir. Eh bien, je voulais vous faire une surprise. Mm-hmm. Mais je savais pas que t'étais à l'hôpital. Sinon, je serais revenu avant, sérieusement. Mm-hmm. Bon, je vais vous laisser seul à seul pour que vous puissiez enfin papoter. Je sais que ça va vous sembler vraiment insignifiant dans un tel moment, mais votre petite sœur va organiser la fête de ses 18 ans. Parce que vous savez que ça signifie pour moi mon indépendance vis-à-vis de papa. C'est vrai? Et je vais pouvoir vivre toute seule là où je voudrais. Tu as déjà oublié qui est papa, Julia? Il ne te laissera pas respirer sans sa permission. Je vous montrerai comment vous libérer du joug paternel. Bien sûr. Je vous aime. J'adore vous voir. Ensemble, sains et saufs. Allons, allons, oui, allez, j'y vais. Oui, tu devrais. Parle-moi de toi, Sébastien. Comment se sont passées tes études de droit? Combien de femmes tu as abandonnées en Espagne? Xavier, je n'ai pas fait d'études de droit. Ma carrière est tout autre. Camilla. Si je prends la route. Camilla, ah. Attends un instant. Je peux pas pour l'instant, Max. J'ai une livraison à faire. Écoute, qui est ton patron? C'est moi, n'est-ce pas? T'inquiète pas pour les livraisons, ça peut attendre. Je voudrais te parler d'un sujet qui s'est passé hier soir chez moi, lorsque t'es venue t'excuser auprès de ma mère. Ah oui, ta mère sait enfin qui est la femme avec qui elle m'a confondu. Elle t'a dit comment elle s'appelait ou elle continue toujours à crier de façon? Non. J'étais juste inquiet à cause de ta réaction d'hier. Pourquoi t'étais aussi désespérée lorsque ma mère t'a parlé de cette femme? Max, tu sais, c'est une très longue histoire. Si je te raconte toute l'histoire, le stock de maquillage va finir par s'entasser ici, dans ce dépôt. Bien, pourquoi on irait pas prendre un café alors? Et tu commenceras à me raconter ton histoire en chemin, d'accord? Ok, d'accord. Mais surtout, si on vient me faire des reproches, je dirais que c'est de ta faute. T'inquiète pas. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il y avait de fortes chances pour que ma mère soit revenue? Figure-toi que j'ai découvert que... Comment ça, une autre carrière? Je comprends pas. J'ai étudié pour devenir prêtre, Xavier. Et c'est ce que je suis. Je suis un vrai prêtre de l'Église catholique. T'es en train de te moquer de moi? Comment ça, prêtre, Sébastien? Comme ceux qui font la messe et s'habillent en soutane? Xavier, quand je suis arrivé en Espagne, je suis devenu fou. Ça ne se passait pas bien à l'université. Je buvais. Je me droguais. La seule chose que j'avais à l'esprit, c'était la haine que papa avait semée en nous contre les Aragones. Et également cet amour pour Amélia. Et je souffrais énormément. Frangin, j'allais mal. Et tu as ressenti l'appel de Dieu?
J'ai décidé d'entrer dans une église pour chercher quelque chose, le moindre espoir qui puisse m'aider à continuer à vivre. J'ai écouté la messe au dernier rang et là, je me suis souvenu lorsque papa nous emmenait à l'église. Je me suis souvenu de vous. Je me suis effondré. Perdu, je pleurais. Et à ce moment-là, j'ai senti que ma vie serait différente et que je devais changer. Non, pardonne-moi, Sébastien, mais tu sais que je pense que tout ça est complètement idiot, hein. Papa est déjà au courant? Non. J'ai d'abord voulu t'en parler à toi parce que je sais que tu ne crois pas en Dieu. Et oui, je suis revenu pour tout raconter à papa, mais quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Parce que je sais de quoi papa sera capable quand il apprendra. Tu m'as raconté que tu étais orpheline et que tu as grandi dans la rue jusqu'à ce qu'une religieuse te recueille, non? Oui. Et cette femme que tu recherches désespérément, c'est ta mère? Le truc, c'est que ma mère m'a abandonnée dans la rue quand j'avais 5 ans seulement. Du coup, j'étais seule, sans personne. Je me débrouillais toute seule. Jusqu'à l'arrivée de Mère Isabelle qui m'a recueillie. Et elle m'a laissée vivre avec les autres enfants à l'orphelinat. J'avais 12 ans. Tu étais très petite, Camilla. Comment tu as pu, en étant si jeune, vivre cette année dans la rue? Voilà pourquoi personne ne peut me rouler dans la farine. Je sais me défendre toute seule. Parce que c'est le seul truc que j'ai fait dans ma vie, me défendre. Mais bon. Le fait est que depuis peu, j'ai appris que ma mère était à ma recherche lorsque je vivais à l'orphelinat. Et quand elle m'a retrouvée, elle a à nouveau disparu. Alors tu crois que ma mère t'a confondu avec ta maman? Exactement. Voilà pourquoi c'est si important pour moi que ta mère se souvienne du nom de la femme avec qui elle m'a confondu. Parce que c'est la seule chose dont j'ai besoin, un nom. Ou un truc, quelque chose qui puisse m'aider à savoir ce qui est arrivé à ma mère. Entrez, Elda, entrez. Merci. Entrez, assis. Merci. Eh bien, je suis venue parce que vous vouliez me parler. Vous voulez parler avec moi, n'est-ce pas? Oui. Oui, Elda. Écoutez, le fait est que Pertiziano et moi, nous sommes extrêmement inquiets pour notre chère petite Camilla. Voyez-vous, Pertiziano et moi, nous voulons vous demander de ne pas continuer à lui donner trop d'espoir par rapport à sa mère. Non, mais je ne lui ai donné aucun espoir. Je lui ai juste dit que j'avais l'intention de l'aider et c'est ce que je vais faire. Non, parce que Camilla ne doit absolument pas retrouver Pourquoi? Sa mère, Elda. Camilla en souffrirait vraiment trop. Elle ne doit pas savoir qui elle est, qui est cette femme. Cette femme n'est pas gentille, Elda. Cette personne n'a pas de cœur, vraiment. C'est une femme dépourvue de sentiments qui l'a abandonnée alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille. Vous ne vous en souvenez pas? Elle n'avait que 5 ans. Oui, je m'en souviens très bien, bien sûr, bien sûr. Ah, ma mère, mais ça fait si longtemps, vous ne croyez pas? Peut-être que... Je sais pas, cette femme regrette peut-être qu'elle a changé. Peut-être que, je sais pas, quelque chose l'a contrainte et forcée à l'abandonner et qu'à présent, elle veut rattraper le temps perdu. N'est-ce pas? Non? Vous ne croyez pas? Ah, ma mère, alors moi, je crois plutôt, ma mère, que vous... Vous me cachez quelque chose et vous ne voulez pas me dire quoi. J'ai toujours pensé que ma mère était morte. C'est pour ça que je ne l'ai jamais cherchée. Mais depuis que j'ai appris qu'elle était vivante et à ma recherche, je veux plus que tout au monde la retrouver. La voir, lui parler, la serrer dans mes bras, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait, Camilla. Et bon, je sais que tu m'as dit que tu voulais retrouver ta mère toute seule, mais je vais t'aider. J'aimerais t'accompagner pour la retrouver. Non, bon sang. Ça me concerne moi et personne d'autre. Non, je vais me débrouiller. Pour la retrouver par moi-même. Ne tente rien et respecte ça, ok? D'accord. Et tu as d'autres informations au sujet de ta maman? Tu as utilisé l'argent que je t'avais donné pour commencer tes recherches? Non. Bon sang. Je m'en suis servi pour payer la pension. Ce que ma sœur et moi, on devait payer pour la pension et bon, pour payer Mère Isabelle pour les petits gâteaux que cette espèce de poupée siliconée de Chila a jeté à la poubelle. Ah mais alors, tu es toujours en contact avec l'orphelinat où tu as grandi? Et où est-ce qu'il se trouve? J'aimerais bien le visiter. C'est que si tu te rends là-bas, tu ne voudras plus repartir.
Cet endroit est plein de gentils petits-enfants, remplis de foi, d'espoir, d'amour. Eh bien alors, dans ce cas, emmène-moi là-bas. En plus, ton trajet d'aujourd'hui vient de changer. Ta prochaine destination sera l'orphelinat du Christ Rédempteur. On y va? Tu veux vraiment y aller? Oui, bien sûr. T'es sérieux? Je peux t'y conduire, hein? Allez, viens. C'est parti. Je serais ravi de voir ça. Xavier va déjà beaucoup mieux. Je veux aller le voir. Je t'accompagnerai plus tard, Octavia. Mais pour l'instant, le plus important est d'organiser ma fête d'anniversaire. Pour que je puisse enfin être une femme libre et indépendante du joug d'Ezequiel Lopez Mendez. Et tu remets encore ça sur le tapis. J'aime mon père. Lui et vous tous. Mais je meurs d'envie de crier au monde que je suis libre. Voilà pourquoi cet anniversaire est si important pour moi. Ah, Julia, si seulement ça pouvait être aussi facile. Personne, absolument personne, n'a pu échapper à l'emprise d'Ezequiel. On dirait que tu ne le connais pas. Tu sais qu'il domine tes frères. Et Max lui-même n'a pas pu se libérer de son emprise. Crois-tu qu'il n'a pas déjà planifié ton futur, Julia? Eh bien non, parce que mon futur m'appartient. Et je ferai ce que je voudrais sans qu'il puisse me dominer. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Excusez-moi. On m'a dit que je pouvais vous trouver ici, Julia. Je voulais vous dire que je suis parvenu à un accord et je vais prendre en charge l'ensemble du système opérationnel de l'entreprise de votre père. Et comment suis-je censée réagir par rapport à ça? Me mettre en colère? Me réjouir? Ou quoi? Parce que je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi. Eh bien, en fait, à partir de maintenant, on va se voir beaucoup plus souvent, c'est tout. Je veux que tu expliques à ton frère le fonctionnement de l'entreprise. Oui, oui. Surtout la partie concernant le choix des modèles qui vont utiliser nos produits. Sois sérieux. C'est très sérieux. Ta sœur va t'expliquer ici comment nous procédons et ce qu'on fait. Oui, papa, mais on verra ça plus tard parce qu'à présent, j'ai un rendez-vous. Je n'ai pas été assez clair. Est-ce que tu ne m'aurais pas bien entendu? C'est maintenant et je n'ai pas dit plus tard. Quand je dis quelque chose, on le fait. Et c'est tout. Mais que peut-il y avoir de plus important qu'une instruction dictée par moi? Ah, papa, s'il te plaît, j'ai un déjeuner avec une amie. Eh bien, tu l'annules. Aujourd'hui, tu dois te consacrer à ton frère, car il en a bien besoin. Tu lui expliques tout ce qu'il faut qu'il sache sur cette entreprise. Tu m'as entendu? Quel manque de respect. Franchement, papa s'énerve vraiment pour un rien. Je ne sais pas comment vous faites pour le supporter. Allez, va tranquillement à ton déjeuner avec ta copine. Moi, je vais rester bien sagement ici jusqu'à ton retour. Oh, Frangin, merci. Fais attention que personne ne te voit, s'il te plaît. En fait, ma copine, c'est... Ah, laisse tomber. Vous faites encore erreur, Elda. Je ne sais rien de plus au sujet de la mère de Camilla. La seule chose que je souhaite... c'est que ma petite puce ne souffre plus. Je ne veux pas que cette nouvelle rencontre avec cette femme ne contribue à lui gâcher sa vie. Ah, mais ma mère, vous ne croyez pas que Camilla souffrira encore plus en vivant comme ça dans l'incertitude? Écoutez, vous savez très bien que je suis au fait de cette affaire depuis qu'elle est arrivée. Et si, en tant qu'assistante sociale, je n'ai pas pu l'aider à présent que je suis... Elda, vous êtes venue ici? Oui. C'est pas possible. Alors comme ça, vous êtes devenue à nouveau super copine. Mais tu ne te souviens pas que j'ai travaillé ici il y a très longtemps? En fait, je suis plutôt surprise de voir Max ici. On m'a dit beaucoup de bien de cet endroit. Et je suis venue vérifier par moi-même ce qu'on m'avait dit. Ma chérie, quand tu pourras, passe à la maison. Parce que j'aimerais que tu examines des documents avec moi, au cas où tu puisses trouver quelque chose dont tu as besoin. Ah oui, bien sûr, ma reine. Viens, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma jolie petite puce. À bientôt, ma mère, à bientôt, Max. Elda! Oui. Ah, mais où avais-je la tête? À bientôt. Qu'est-ce que ma marraine est venue faire ici? Eh bien, mon amour, on était en train de parler d'une nouvelle arrivante. Je la consultais au sujet d'une nouvelle petite. Quelle petite? Je connais tous les enfants d'ici. Et à ce que je sache, il n'y a eu aucune nouvelle arrivante. Eh bien, ma chère petite fille, c'est que c'est précisément... Et je sais que vous étiez en train de parler de ma mère avec ma marraine, ma mère. Ne me mentez pas. Ne me mentez pas parce que je connais ses yeux quand vous êtes en train de mentir. Je sais que vous êtes en train de me cacher quelque chose et je comprends toujours pas pourquoi. Camilla, si tu veux discuter tranquillement avec la mère Isabelle, moi j'y vais. Je reviendrai un autre jour. Non, non, non.
je t'ai ramené ici pour que tu découvres l'orphelinat où j'ai grandi. Viens. Viens, parce que ça fait 2 jours que ça dure avec Mère Isabelle et elle ne me dira rien. Dieu vous bénisse. Ah, Dieu te bénisse, mon père. Mon père. Dieu vous bénisse. Bonjour, mon père. Dites-moi, qui est cet homme qui était avec Camilla? Il s'agit de Max Esquivel, mon père. C'est le fils naturel d'Ezequiel Lopez Mendez. Mon père, il me semble que nous perdons totalement le contrôle de la situation. Je crois qu'il est de plus en plus difficile de cacher les choses à notre Camilla. Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de... C'est bon, fiston. Tu vas bientôt pouvoir sortir. Papa! Du calme, du calme, du calme. Que puis-je demander de plus? J'ai mes 2 fils avec moi. Sébastien. Excellent avocat, diplômé en droit international. Et toi, fiston, tu quitteras bientôt ce lit et tu rentreras à la maison. Eh bien, on ne m'a toujours pas autorisé à sortir. Mais ce sera bientôt le cas. Ce sera bientôt le cas. Vous savez ce qu'on va faire? Organiser une fête. C'est ça. Une fête de bienvenue, et au moment de trinquer, on brandira ton diplôme et on le posera au beau milieu du salon, comme ça, à la vue de tous, il trônera pour que tout le monde le voie. Et ils seront verts de jalousie de ne pas avoir un fils avocat comme moi. Non, non, papa, non. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. En plus, je me sens bien en sachant simplement que je suis avec vous en famille. Bon, il faut que j'y aille, là. J'imagine que cet empressement est dû à une femme. J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui, papa, je vais aller retrouver une femme. Vas-y, fiston. Vas-y et fais honneur à notre nom. Car un Lopez Mendez qui n'est pas un coureur de jupons ne fait pas long feu. Allez. Je tombe encore sur son répondeur. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Où est Amelia? Elle vient de partir il y a un instant pour une séance de je ne sais pas quoi, mais elle revient tout de suite. Ne me mens pas, dis-moi où est partie ta sœur. Je ne sais pas, papa, elle est sortie. Détends-toi. Je savais que ça finirait par arriver, papa. J'ai appris que Sébastien Lopez Mendez était de retour au pays depuis peu. Ne sois pas vache, Fernando. Pourquoi tu l'as dénoncé? Juste à côté, il y a un parc peu fréquenté. Je sais qu'Amélia a l'habitude d'y aller. Allons cueillir ce vaurien. Et on lui flanquera une bonne raclée pour fêter son retour, et on le laissera à moitié mort, pour qu'il comprenne que je ne le laisserai pas séduire à nouveau ma fille. Et on le renverra d'où il vient, en Espagne. C'est trop mignon. Tu sais ce que cette canaille m'a dit quand je lui ai demandé s'il avait déjà vu la mer? Qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait pas si c'était rond ou carré. Et comment c'est possible qu'un enfant de cet âge ne soit jamais allé à la plage? Et il n'a jamais vu la mer? Elle, c'est Elena. Je l'appelle ma petite Elena. Tu vois, elle a un problème au pied. Parce que quand elle était petite, elle devait partager une paire de chaussures avec son petit frère. Quoi, ils n'ont pas les moyens de lui offrir des chaussures? Non, et parfois ça tient du miracle pour les nourrir. Parce que tu les vois là, tout famélique et maigre comme des coucous. Mais ils ont un appétit d'ogre. C'est pour ça que je vends des petits gâteaux. Parce que ça me permet de les aider. Tu vas me laisser en vendre à Mascarada?
Ou tu vas jouer les vilains comme Tila. Non, non. Je suis désolé, mais tu ne vas pas pouvoir continuer à vendre quoi que ce soit. Et tu ne seras pas fâché après moi. Tu ne vendras rien parce que ça ne sera pas nécessaire. Je vais t'aider par le biais de la fondation affiliée à Mascarada, qui est gérée par Astrid, pour que cet orphelinat puisse recevoir une aide mensuelle, une aide financière. T'en penses quoi ? C'est une bénédiction. Voilà ce que je pense, une bénédiction. Max. Merci. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose que vous ayez passé cet accord avec mon père. J'imagine que, suite à toutes les explications que vous venez de me donner, nos ordinateurs ne pourront jamais planter. Si vous voulez bien nous excuser, nous sommes très occupés. Ok, excusez-moi. On se voit demain. Mm-hmm. Bonne journée. Ce type est très bizarre, Octavia. Il surgit de nulle part. Il me traite comme s'il me connaissait depuis toujours. Je sais pas ce qu'il fait dans cette entreprise. Et là, il va travailler ici, c'est tout ? Julia, va faire un petit tour, s'il te plaît, car il faut que je parle de quelque chose de très important avec Octavia. Ok, papa, mais écoute, on est déjà en train d'organiser ma fête d'anniversaire et ça va être génial. Oui, bien sûr. Dis-moi l'heure et le lieu pour célébrer le fait que ma fille va devenir une femme. Une magnifique femme. Et sans oublier le chèque, papa chéri. Parce que ça n'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête. Je peux faire quelque chose pour toi? Pourquoi Sébastien ne m'a-t-il pas dit la vérité tout de suite? Pourquoi il ne m'a pas donné son diplôme en cadeau dès son arrivée? 6 mois, j'ai payé ses études pour ça. Eh bien, parce qu'il fallait qu'il s'organise un peu et qu'il aille dire bonjour à toute la famille et... Tu ferais mieux de te montrer un peu plus intelligente. Sébastien ne me montrera aucun diplôme. Tout simplement parce qu'il n'en a pas. Parce que Sébastien est un prêtre. Arrêtez-vous, Lopez Mendez! Car nous aussi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. J'imagine bien qu'il fallait que ça arrive, Monsieur Aragon de la Rosa. Comment allez-vous? Ça va, Roger? Fernando? Vous êtes prêtre? Ainsi, vous avez entendu l'appel du Seigneur. Ne vous en prenez pas à ce petit curé. Il ne faudrait pas le blesser, car il n'est pas recommandé de s'en prendre aux serviteurs de Dieu. C'est peut-être précisément une ruse de sa part, papa, pour qu'on ne le touche pas. Je vous déconseille de mentir. Alors tenez-vous bien à l'écart d'elle. Est-ce que c'est clair? Je vais aller lui parler si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Faites-le. Et ensuite, disparaissez de sa vie. Dieu s'est déjà chargé d'écarter du chemin de ma fille une crapule de la famille Lopez Mendez. Allez, on y va. Tu es sûr, mon oncle? Vous savez quoi? J'aimerais voir la tête d'Ézéchiel quand il apprendra que l'un de ses fils est devenu curé. En plus, lors de sa première messe, on va se fendre la poire un bon moment en voyant un Lopez Mendez en jupe en train de prêcher la parole du Seigneur. Si l'un d'entre vous décide de devenir curé, je préfère vous voir mort. Sébastien n'est pas du tout avocat. Il est curé. Tu le savais. Julia le savait. Mes fils le savaient. Et vous voulez que je passe pour un imbécile? Ézéchiel, lâche-moi car tu me fais mal. Je devrais plutôt t'arracher la tête, pauvre idiote. Tu as pensé à quoi? Que je n'allais jamais m'en rendre compte. Depuis quand ment-on ici à Ézéchiel Lopez Mendez? Dis-moi. Ah, eh bien, mais si tu le sais, pourquoi tu ne poses pas directement la question à Sébastien et exiges la vérité?
Parce que je veux qu'il me le dise sans que je lui demande. Parce que s'il a eu le courage de me mentir à moi, il lui en faudra encore pour me le dire en face, le chapelet autour du cou. Qu'est-ce que tu vas faire ? Occupe-toi de tout. Xavier va bientôt quitter la clinique. Ézéchiel, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que diable tu es allé faire dans cet orphelinat répugnant. Ce que je veux savoir, c'est ce que faisaient Max et cette sauvageonne là-bas. Allez, parle. Où ça, là-bas ? Ah, oui. À l'orphelinat. Je sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Oh, maman, t'es même pas douée pour les ragots. Il faut que je réfléchisse à quelque chose. Oh, mais à quoi ? Je peux pas laisser cette sauvage passer tout son temps avec Max, non. Non, ça ne me plaît pas. Ma chérie, mais c'est normal, il est en train de la former ici, dans l'entreprise. C'est logique qu'ils passent du temps ensemble, non ? Oh, allons, maman. Tu fais vraiment rien du tout pour m'aider. Il faut que je discrédite cette fille devant Max. Je veux qu'il soit déçu par elle, au point de la mépriser. Il s'implique un peu trop avec elle. Non. Non, ma chérie, allons. Camilla n'est pas méchante. Camilla a en fait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Des épreuves ? Oui. Ah, arrête, s'il te plaît. Celle qui a vraiment traversé des épreuves, c'est moi à Paris. Je mourais de honte, je me cachais de tout le monde. En travaillant comme serveuse pour ne pas mourir de faim. Tu vois ces petites mains ? Oui, bien sûr. Vraiment ? Tu crois que ces petites mains sont faites pour nettoyer le sol, pour laver des assiettes ? Non. Non. Je ne suis pas née pour que les gens me regardent de haut. Je suis née pour être en haut, tu comprends ? Coupé. Ah oui. Vous êtes encore ici ? Oui, bonjour. Eh bien, je passais pour vérifier le système opérationnel des ordinateurs de la cabine. Mais je m'en vais. Je voulais juste vous dire bonjour. Ok. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il me veut, ce monsieur ? Est-ce qu'il serait... Non, c'est pas possible. Ne te fais pas des idées pareilles, Julia. Écoute, ce monsieur pourrait être ton père. Ah, c'est génial, c'est magnifique. Écoute, Violetta, tu m'entends, oui ? S'il y en a quatre ici, il y en a quatre là, mon amour. Non, pas bonjour. Quatre, trois, s'il te plaît. Fausto. Oh, là, vite, cache ça. Fausto, que me vaut l'immense et exquis plaisir de ta présence. Parce que c'est ce que je ressens te voyant, mon petit cœur, car tu es vraiment un exquis gentleman. Je suis venu te proposer une affaire, mais je vois que quelqu'un m'a déjà devancé. Dommage pour toi. Dommage pour quoi ? Pour ça ? Non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Viens par ici, mon gentleman si raffiné. Pourquoi tu ne me dirais pas plutôt ici, au creux de mon oreille, quelles sont les affaires que tu as pour nous ? Que j'avais, parce que tu m'as déjà trahi avec Ézéchiel. Non, mon gentleman, on ne t'a pas trahi, puisque je suis une femme ouverte aux sollicitations et aux propositions. Pourquoi tu ne me dis pas quelle est la tienne et je verrai alors à qui octroyer le plaisir de collaborer avec cette entreprise. D'accord, je vais te dire quelle est ma proposition. Parlons affaires, veux-tu ? Je vais de ce pas en parler à Astrid pour entamer les démarches. Il faut que cette aide pour l'orphelinat soit versée le plus tôt possible. Je sais pas, Max. Je crois pas que cette grande bécasse à talons soit prête à donner de l'argent à qui que ce soit. Mais bon, c'est toi qui vois, c'est toi le patron. J'ai pas mon mot à dire. Et c'est comme ça que tu penses mériter le cadeau que je t'ai proposé ? Voilà pourquoi il faut que tu sois collé à mon bureau toute la journée. Pour ne pas manquer à tes responsabilités. Le cadeau ? Et de quel cadeau mon père est-il en train de parler ? En fait, ton père a proposé de financer pour moi une formation d'assistante de direction, qu'est-ce que t'en dis ? Toi, tu m'aides de ton côté, et ton père de l'autre. Il faut vraiment que je remercie le ciel, parce qu'aujourd'hui, je n'ai eu que des bonnes nouvelles. Amélia ? Sébastien ? Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça ? Bon, eh bien, afin que tu sois au courant de la façon de procéder et ce que tu as à faire,
Je te dirai plus tard personnellement quelles sont tes fonctions. Mm-hmm. Excusez-moi. Attendez, attendez. Mais qui va me mettre au courant de tout ça? Il vaut mieux que je demande pour éviter de faire des bêtises. Je veux que tu mettes la main sur une femme. Où qu'elle puisse se trouver. Je veux que tu remues ciel et terre jusqu'à retrouver Rosa Blanco. Canciones que escribí para desahogar en todo este amor.